Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un vlog. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. Il est actuellement 15h15 ou 15h15, je sais plus. On sort du champ des chevaux et on va aller préparer la carrière avec les obstacles pour la séance de saut de cet après-midi. On est en compagnie de ma cousine Lily, vous m'avez déjà vu dans beaucoup de vidéos. Voilà, donc c'est parti, on va préparer tout ça. Terminer d'installer les obstacles comme vous avez pu le voir. Maintenant on va aller chercher les chevaux, donc on va prendre Rosario évidemment pour sauter et on va prendre également Ouragan, donc pour pas que Rosario soit tout seul, aussi pour le sortir un petit peu. Un petit mot. Donc voilà, on a pris Ouragan là-bas et là il y a le petit Lardon. Et on va les préparer. Alors Rosario est juste dégueu. Donc il y a plein de boue et comme il a transpiré un petit peu quand il s'est défoulé, et bah la boue n'a pas séché. Du coup, bah si il est encore un petit peu marron, c'est normal. Quand je vais le monter, c'est pas que je ne l'ai pas brossé. C'est tout simplement parce que comme il est blanc, la terre s'incruste dans ses poils. Donc voilà, c'est l'avantage des blancs. C'est bon, la mycétologie, elle a fini de le brosser. Hein, mycétologie ? Elle a pris de l'eau pour enlever la boue des sabots. Voilà. Alors, pour ceux qui demandent, le tapis vient du salon du cheval et l'amortisseur est de la marque Calden. La selle est une Norton et dessus, il y a une enceinte JBL pour pouvoir écouter de la musique. Elle l'a eue à Noël. On a fini la séance, vous avez vu les images. Franchement, c'était bien. Il faisait quelques petits pieds à l'entrée du double, mais franchement, ça allait. Voilà, je suis plutôt contente. Et du coup, maintenant, on va s'occuper d'eux. On va rentrer les autres dans leur box et comme ça, ils passeront la nuit au box. Et on va ranger la sellerie. Youpi! Ça y est, ils sont rentrés au box. Et maintenant, on va aller chercher leurs copains. C'est bien couvert, il fait trop froid. Donc là, on va au champ les chercher. Et ensuite, on va ranger notre céleri. Et on va manger. Ouais. Ça y est, on est allé les chercher. Voilà, donc... et là, on les ramène au box pour qu'ils puissent passer la nuit au chaud. Alors, Rosario est juste...